assis sur un rebond révolutionnaire. Pour quelques pièces, votre altesse plaise à Dieu que le peuple s'y blesse sous sa joue blanche, la tendre jeunesse. Un problème escalier. Mettez-vous en place. On est capable. Attention, cascade. Tendre jeunesse, Oxy sera Renan, le révolutionnaire, dépêche-toi! Alors voilà, messieurs, dames, comment ça s'est passé. Ce matin, à Versailles, le comte d'Artois, le comte, mon maître, donc le frère du roi, me fait appeler dans son cabinet privé. Alors je cours. Et là, je trouve ce Olympe. Oh, mon Olympe. Pétrifié. Oui, c'est pas grave. Sous le regard blanc de colère du comte d'Artois, la colère, s'il te plaît. Calme-toi, Voldemort, calme-toi. Qu'avez-vous fait, petite sotte? Un rendez-vous secret la nuit, au palais royal? Oh mon Dieu, la pauvre enfant, essayant timidement de se défendre. Articule, je ne comprends rien, madame. Ah oui, pardon, votre altesse. Pardon, je ne suis qu'une âme gouvernante. Je vais obéir à madame de Polignac pour le service de la reine. Au service de la reine? Mais tout cela sous les yeux d'un pauvre révolutionnaire. Vous imaginez le scandale s'il parle? Vous vouliez donc la perdre? Oh mon Dieu, quelle injustice! Un révolutionnaire, elle ne pouvait pas savoir. Votre Altesse, j'implore votre clémence. Ma clémence, rien que cela. Si vous n'étiez pas apprécié de sa majesté, je vous ferais chasser, arrêter, juger et emprisonner comme ce... Ah, Mazurier. Mazurier. Renan Mazurier. Renan Mazurier, merci. Mais y a pas de quoi. Y a pas de quoi. Libérez cet homme. Libérez Renan, il n'y est pour rien, tout un arbre. Mais non, mais tais-toi, que dis-tu là, mon insensé, tais-toi. Mais c'est moi qui ai conduit la reine sous les arcs. Non. Et c'est moi qui ai donné rendez-vous au compte de personne. Non. Oh, pardon, mon amour, pardon. Mais faut pas parler comme ça au comte, hein. Et puis, quand je sais pas, monsieur. Qu'est-ce que tu... Ah, je le capte mal, j'ai pas de raison. Il faisait si noir. Il n'a rien pu voir, mon Dieu, mon altesse, mademoiselle a raison. Il faisait noir, il faisait nuit, on n'y voyait rien, mais non, rien du tout. Même moi, je l'ai pas reconnu, la reine. Enfin, tu parles. Avec sa perruque à la con, on dirait un autobus. Il faisait tellement nuit. Mais votre Ramar, pas de risque, pas de témoin. Très bien. S'il parle, ce Renan peut à lui seul faire tomber la monarchie. Vous allez donner ceci au... Ah ben ils sont rapides, hein, ils vont être déformés. Hein. Au lieutenant de la Bastille, ce Renan doit disparaître cette nuit. Comptez sur moi, votre Altesse. Célérité, efficacité. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous paie. Et grâce moi, je vous en remercie. Abruti. Abruti, quand même. Tu paieras toutes ces humiliations. Je te promets à toi. Oui, ma mère. Oh, pardon. Oui, ma mère. Que vous a demandé le comte? C'est un Renan, il faut me le dire. Ah oui. Plouf dans la Seine, il m'a dit la resto. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, vous plaignez? Ah, je préfère. Parce que vous savez, madame, je suis terriblement jaloux. Un baiser. Vous n'y pensez pas? Si. Mon Dieu, mais si, j'y pense, évidemment j'y pense. Le jour, la nuit. La nuit, surtout. Un petit béco? Non. Un petit bec, alors, en attendant. Non. Non. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Oh, une daube, une bande d'eau, comment ça? Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Sur la main!